BDDF Opération est un des quatre métiers de BDDF, dont le rôle est d'accompagner les trois métiers de commerce donc de la banque de détail en France, donc le métier retail, le métier corporate et puis le métier entreprise. BDDF Opération était organisé en deux ensembles, un premier ensemble de back-office qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, dont le rôle est d'écouler les flux et d'écouler la production à la suite des opérations de vente. Un deuxième ensemble donc chez BDDF Opération qui s'appelle la direction du pilotage et de l'organisation et qui consiste à définir la norme pour ses back-office. Donc notre rôle d'organisateur bancaire est de décrire des flux, cartographier des flux, décrire des processus pour ensuite aller les documenter et les mettre en service ou les déployer dans les back-office. Donc c'est un métier qui est assez passionnant puisqu'en fait on couvre tous les périmètres de type titre, que ce soit des OPCVM, des actions, des obligations, mais également des choses assez atypiques comme l'or ou des bons de caisse, voire des titres physiques. On a finalement deux moteurs qui sont donc la transformation de BDDF, le programme BDDF 2020, comme il y a dans l'ensemble du groupe, et puis un deuxième moteur qui est en fait les évolutions réglementaires. Donc ces évolutions réglementaires, certains ont entendu parler, donc c'est MiFID pour l'essentiel, c'est le sujet qui nous a beaucoup occupé en 2015, 2016, 2017 et encore 2018, et puis on aura certainement un certain nombre de queues en 2019. Il y a d'autres sujets de type fiscalité française, typiquement avec la loi de finances 2018, vous avez entendu parler du PFU, et bien nous appliquons le PFU, et également de fiscalité internationale, typiquement QI, donc Qualified Intermediary, qui est en fait la fiscalité américaine que nous devons appliquer sur les comptes de nos clients.